Voici une capsule pour t'aider à mieux lire et construire des diagrammes à partir d'une table des valeurs. Ici, tu vois la table des valeurs avec deux colonnes. Un premier élément très important à savoir par rapport à la table des valeurs, la première colonne est toujours l'axe des X. La deuxième colonne, c'est toujours l'axe des Y. Si ma table de valeurs était faite sur le sens horizontal, la première ligne serait l'axe des X, la deuxième ligne, ça serait l'axe des Y. C'est toujours, toujours comme ça. L'axe des X correspond à l'axe qui est sur le sens horizontal. Alors ici, c'est l'axe des X et l'axe qui est sur le vertical. C'est l'axe des Y. L'axe des X et l'axe des Y. Un graphique est toujours, toujours construit de cette façon. X horizontal, Y vertical. C'est pour cette raison que lorsqu'on regarde le long de l'axe des X, on voit les données qui sont dans la colonne de l'axe des X. Donc, ce sont les mois de la saison. Et lorsqu'on regarde l'axe des Y, ce sont les nombres qui vont nous permettre d'aller placer les données sur le diagramme. Alors, ça, c'était un élément très important que tu dois retenir. Deuxième chose, lorsque tu construis un diagramme, il faut absolument avoir un titre qui représente le plus précisément possible ce qu'on retrouve dans le diagramme. Alors ici, nombre de visiteurs au stade de boxe. On aurait pu être un petit peu plus précis, dire nombre de visiteurs pour chaque mois de la saison au stade de boxe. Un deuxième endroit où il faut absolument inscrire un titre, c'est un titre pour représenter les données de l'axe des X. Alors ici, les mois de la saison. Et il faut inscrire un titre pour les données que l'on va retrouver sur l'axe des Y, nombre de visiteurs. Un autre élément très important dans un diagramme, c'est la gradation. La gradation représente les nombres sur l'axe des Y et on dit que la gradation doit être régulière. Premier élément important pour la gradation, il commence toujours au point zéro. L'endroit de rencontre, le point de rencontre entre l'axe des X et l'axe des Y est toujours zéro. Ensuite, dépendant de l'espace qu'on a et puis les données qui se retrouvent dans notre table des valeurs, il faut décider à quel intervalle, quel bond on va faire sur notre gradation. Ici, on fait des bonds de 50. Alors, comme tu peux voir, 0, 50, 100. 150, 200, c'est constant. C'est toujours un bond de 50. Si on avait décidé d'aller faire des bonds de 10, ça aurait été 0, 10, 20, 30, etc., etc. On ne peut pas changer d'idée en cours de route et puis tout d'un coup commencer à faire des bonds, par exemple, de 100. Si on commence avec des bonds de 50, on doit continuer avec des bonds de 50. Si on commence avec des bonds de 10, on doit continuer avec des bonds de 10. Alors ça, c'est un premier élément pour ta gradation. Deuxième élément, la gradation doit être régulière aussi avec les espaces qui représentent les bonds. Alors on voit, ça représente de 0 à 50. Ensuite, un espace de la même longueur, un espace égal, qui représente 50 à 100. Je ne pourrais pas sauter et puis avoir un espace aussi long que celui-ci tout d'un coup qui représente 50. Il faut avoir une gradation avec des intervalles réguliers. Donc des bonds réguliers et même des intervalles d'espace réguliers sur l'axe des Y. Ça fait le tour des éléments importants dans la lecture et la construction d'un diagramme à partir d'une table de valeurs.